Gloire à Dieu. Sifa kwa Mungu. Quelle adoration. Kwa budu kwa inagani. Baba nam dit ça, c'est chanter avec les anges. La fatigue est partie. Muchoko inaenda. La famine est partie. Chala inaenda. Les soucis sont tombés. Shida zinanguka. Nous sommes au ciel. Tuko mbinguni. Ceci est comme le ciel pour moi. Le ciel pour moi. Vers Canaan, ceci est comme le ciel pour moi. Oh oui, ceci est comme le ciel pour moi. La vie. Ceci est comme le ciel pour moi. Nous trouvons bien des gens qui ne peuvent comprendre pourquoi nous sommes si heureux. Libres, nous sommes passés du jour d'un au Canaan. Ceci est comme le ciel pour moi. Oh oui, ceci est comme le ciel pour moi. La vie. Oh oui, c'est comme le ciel pour moi. Moi, je suis passé du jour d'un au Canaan. Ceci est comme le ciel pour moi. Gloire à Jésus. Si fa kwa Yesu. Ce vieux monde ne peut m'empêcher. Je m'en irai. Je m'en irai. N'importe quand. Parce que je. Moi je me suis consacré. Consacré. Et je porte mon habit. C'est vrai, ce vieux monde ne peut me lier. Je m'en irai. Moi, je m'en irai. N'importe quand. Car je baissé. Parce que j'ai déjà consacré. Consacré. Et je porte. Acclamez le roi des rois. D'accord. Nous allons prendre nos Bibles. Tachukua Biblia zetu. Ça va aider aussi la partie de l'église qui vient d'arriver cet après-midi. Itasaidia pia sehemu ya kanisa inatoka kufika mangalibi ya leo. Nous sommes aujourd'hui dans Psaume chapitre 20. Leo tuko mkitabu cha Zaburi sura yake ya 21. 20. Shirini. Nous commençons à lire au début, premier verset. Tunaanza kusoma kwanza mstari yake ya kwanza. Vous le répétez après moi. Unairudiria kisha mie. Que l'Éternel t'exauce au jour de la détresse. Que l'Éternel t'exauce au jour de la détresse. Que le nom du Dieu de Jacob te protège. Que le nom du Dieu de Jacob te protège. Que du sanctuaire il t'envoie du secours. Que du sanctuaire il t'envoie du secours. Que de Sion il te soutienne. Que de Sion il te soutienne. Qu'il se souvienne de toutes tes offrandes.
qu'il se souvienne de toutes tes offrandes et qu'il agrée tes holocaustes. Et qu'il agrée tes holocaustes. Qu'il te donne ce que ton cœur désire. Qu'il te donne ce que ton cœur désire. Et qu'il accomplisse tous tes desseins. Et qu'il accomplisse tous tes desseins. Nous nous réjouirons de ton salut. Nous nous réjouirons de ton salut. Nous lèverons l'étendard au nom de notre Dieu. Nous lèverons l'étendard au nom de notre Dieu. L'Éternel exaucera tous tes vœux. L'Éternel exaucera tous tes vœux. Je sais déjà que l'Éternel sauve son oin. Je sais déjà que l'Éternel sauve son oin. Et il exaucera des cieux de sa sainte demeure. Il exaucera des cieux de sa sainte demeure. Par les secours puissants de sa droite. Par les secours puissants de sa droite. Ceux-ci s'appuient sur leurs chars. Ceux-ci s'appuient sur leurs chars. Ceux-là sur leurs chevaux. Ceux-là sur leurs chevaux. Nous, nous invoquons le nom de l'Éternel, notre Dieu. Nous, nous invoquons le nom de l'Éternel. Amen. Amina. On reprend le verset 8. Ceux-ci s'appuient sur leurs chars. Ceux-ci s'appuient sur leurs chars. Ceux-là sur leurs chevaux. Ceux-là sur leurs chevaux. Nous, nous invoquons le nom de l'Éternel, notre Dieu. Nous, nous invoquons le nom de l'Éternel, notre Dieu. Nous, nous invoquons le nom de l'Éternel, notre Dieu. Eux, ils plient et ils tombent. Eux, ils plient et ils tombent. Nous, nous tenons fermes et restons debout. Nous, nous tenons fermes et restons debout. L'Éternel sauve le roi. L'Éternel sauve le roi. Qu'il nous exauce quand nous l'invoquons. Qu'il nous exauce quand nous l'invoquons. Que Dieu te bénisse. Mungu akubariki. Nous allons dire certaines paroles. Tutasema maneno fulani. Il va nous introduire à prier. Il était tuingiza mumaombi. Nous avions dit que ce soir c'est l'opération sans chaise. Tulisema yoni ya leo ni kuabudu bila kiti. Si tu es très fatigué, tu veux te mettre par terre un moment comme les disciples écoutaient la parole, ce n'est pas mauvais. Kama unachoka, unapenda kuikala chini mwakati moja njua usikia neno, haija kwa tatizo. Salisse tes habits. Chafula mavazi yako, hamna mambo, hamna shida. Nous avons un objectif. Si tu es fort, tu te tiens encore. Tuna kifukuzio. Kama chingariki na nguvu, baki ya bwima, hamna shida. Mon ami, rafiki yangu. Ce psaume 20 nous a inspiré toute cette journée de vendredi. Izaburi ya 20 ilitupuluzia hii mchana yote ya siku ya mkazitano. David sous l'inspiration. Daudi chini ya upulizo. Il est en train de montrer que Eko akionyesha ya kwamba le Dieu de Jacob, huyu Mungu wa Yakobo, il va t'exaucer au jour de la détresse. Atakujibu siku ya huzuni. Depuis son sanctuaire, kutoka ikalu mwake, il va t'envoyer le secours. Atakutumia msaada. Et ça c'est le sanctuaire de Dieu. Na hii ni ikalu ya Mungu. Vous le croyez? Mnaamini? Nous sommes dans le sanctuaire. Tuko katika ikalu. Et sache que le secours va venir. Najua ya kwamba msaada itakuja. Parce que c'est écrit. Kwani iko yenye kuandikiwa. Au jour de la détresse. Usiku ya huzuni. Dieu va t'exaucer. Mungu atakujibu. C'est le Dieu de Jacob. Ni Mungu wa Yakobo. Jacob c'est Israël. Yakobo ndio Israeli. Israël et nous, nous adorons le même Dieu. Israël na sisi tunabuduaka Mungu huyu moya. Elohim. Elohim. Jésus-Christ. Yesu Kristo. Le véritable Dieu. Ule Mungu wa byakweli. Donc soyez rassurés. Manake kuwa na hakikisho. Comme tu es dans son sanctuaire. Vile uko mwekalu yake. Il va t'exaucer. Atakujibu. Il va te soutenir. Atakuzulia. Il va se souvenir de tes offrandes. Atakumbuka matoleo yako. Et tes holocaustes. Na masadaka zako. C'est profond. Ni auketo. Dieu
Dieu n'oublie pas un sacrifice. Mungu asabwa ke matoleo. Le fait même de ne pas s'asseoir sur votre chaise, c'est un sacrifice. Vile tu na katala kuikala pa kiti yako ni kujitolea. Pour s'approcher de Dieu. Kwa ajili ya kumkaribia Mungu. Et attirer son attention. Na kuvuta ngalivu wake. Ça demande une vie de sacrifice. Inaombesha maisha ya kujitolea. Se tenir là depuis le matin, c'est un sacrifice. Usimama bwima hapa tangu asubuhi ni matoleo. Venir même vite l'après-midi, c'est un sacrifice. Il n'oubliera pas tes offrandes, ni même tes holocaustes. Dieu, il est bon. Il dit, il va te donner ce que ton cœur désire. Et le désir de chaque cœur, cet après-midi, c'est la nouvelle naissance. C'est le Saint-Esprit. Que je manque tout, mais que je ne manque pas le Saint-Esprit. Est-ce que quelqu'un dit ça? Ça vient de toi? Alors tu ne manqueras pas aussi tout. Basi, pia, quand il va te donner ce que ton cœur désire, inapenda, il continue, il va accomplir tous tes desseins. Il va exaucer tous tes vœux. Atajibu naziri zako zote. Depuis sa demeure, toke makao zake. Tout ce qui est tes desseins, yote nakuya mapo zako. Tout ce qui est tes vœux, yote nakuwa naziri zako. Dieu va te les donner. Mungu atakupatia yo. Mais les grands désirs, lakini nia kubwa. La nouvelle est kuzalika mala ya pili. Le reste Dieu va donner. Ibingine binabakia Mungu atakupatia. Sache que mon frère et ma soeur, comme tu es venu dans son sanctuaire pour lui présenter tes voeux, le désir de ton cœur, il va t'exaucer, il va te soutenir, il va t'envoyer les secours. Moi je dis amen à ça. Maintenant le verset 8, sasa mustari yake ya nane, ça m'a beaucoup préoccupé. Ili niangaisha kabisa. David qui était roi, Daudi ule alikuwa kamfalme, lui-même avait des chars, yeye mwenyewe alikuwa na magari za vita, lui-même avait des chevaux, yeye mwenyewe alikuwa na farasi za vita. Mais kwa lakini il a trouvé ça inutile. Anaona vyote bile bule. Il dit ceci, s'appuie sur leur char, ceux-là s'appuient sur leurs chevaux, mais nous, dis à ton ami, tu es dans le nous. Dis-lui, tu es dans le nous. Mais nous, nous invoquons le nom de l'Éternel, notre Dieu. Oh, merci Seigneur. Quelle profondeur. Dans ce monde, il y a des gens qui s'appuient sur leur intelligence. Il y en a qui s'appuient sur leur argent. Il dit, si j'ai des problèmes, mon argent va faire. Il y en a qui s'appuient sur des diplômes. Il y en a qui s'appuient sur la popularité des relations ayant des parapluies. Il y en a qui comptent même sur la magie. Il
Il y en a qui s'appuient même sur la sorcellerie. Ils pensent que sa sorcellerie peut l'aider. Des hommes politiques s'appuient sur des gardes-corps. Mais quand la mort vient entrer, les gardes-corps ne voient pas. Mais gardes-corps, où étais-tu quand la mort est venue prendre ton chef? Non. David est entré profondément en esprit. Il a vu que les appuis charnels n'est que vanité. Tout. Le vrai appui, c'est Jésus-Christ. Ni Jésus-Christ. Mon seul appui, ce soir, c'est Jésus-Christ. Ni Jésus-Christ. Mon seul appui, le nom de l'Éternel. Ni le djinn na yamilele. Si tu le dis ce soir, c'est ta manière de l'invoquer. Ceux-ci sur leur chat. Ceux-là sur leur chevaux. Cela explique chaque chose à laquelle quelqu'un s'appuie. Tout n'est que vanité. Le vrai appui inébranlable. Tiens l'immuable main Chica de Dieu. Les temps est plein de transitions. Wakati inayana bia kubadirika, badirika bia mingi. Rien sur cette terre. Hakuna kintu pa hii dunia. N'est immuable. Kinabakia imara. Espère. Wetu mainia. En des choses Mubintu éternelles. Les choses de l'âme. Bintu bia nafsi. Que Dieu t'exauce. Mungu ajibu ombi yako. Mon espoir, c'est Jésus. Tumaini yangu ni Yesu. Mon appui, tegemeo yangu, c'est Jésus. Ni Yesu. Regarde, le dis lui, mon appui, c'est Jésus. Umutazame, umweleze, tegemeo yangu ni Yesu. C'est tout. Niote. Je n'ai rien d'autre. Sina la kingine. Jésus. Ni paka Yesu tout. Tu me menaces. Uneni shambulia. Tu me critiques. Uneni zarau. Tu me dis des choses. Uneni sema mavitu. Tu marches sur moi. Uneni kanyanga. Même dans ma raison. Ata musababu yangu musheria yangu. Sois fort. Kwana nguvu basi. Mon appui. Tegemeo yangu. Jésus. Ni Yesu. Est-ce que quelqu'un dit amen? Et tu n'as pas amen. Est-ce que quelqu'un dit amen? Et tu n'as pas amen. Mon appui. Tegemeo yangu. Jésus. Ni Yesu. Quand je dis ça, le diable tremble. L'enfer est en train de trembler. Il leur a donné ce mot. Pourquoi El Rach les a donné ce mot? C'est la clé. Dans tous tes problèmes. Mon appui, c'est Jésus. Seigneur. Tu es le seul que je possède. Ma force. Mon avocat. Ma défense. Ma guérison quand je suis malade. Tu es même le pain quand j'ai faim.
wakati niko na njala. Tu es même l'eau quand je sois. Wewe uko mai wakati niko na kio. Tu es le Saint-Esprit que je cherche. Uko Roho Mtakatifu ule niko na tafuta. Seigneur Jésus. Bwana Yesu. C'est toi la vie éternelle des enfants. Wewe uzima milele ule batoto yako. Des enfants d'Atirite. Ile batoto ya Atirite. La vie éternelle des enfants d'Atirite. Uzima milele ya batoto ya Atirite. C'est toi Jésus. Wewe Yesu. Tu es la guérison de la maman aux potions. Wewe uko uponaji ya ule mama panya. Tu es la résurrection du bébé finlandais. Wewe uko ufufuko wa ile mwana mchanga wa Kifinlandi. Tu es la résurrection du petit poisson. Uko ufufuko ya ndakala. Tu es la délivrance du maniaque de l'Oregon. Ukombozi ya ule mtu afujo wa Oregon. Jésus le même hier, aujourd'hui, éternellement. Yesu sawa sawa, yana, leo, na hata milele. Ce soir, mangalibi ya leo, si tu lui montres qu'il est ton seul appui, kama tu namonesha sema yeye njo tegemea moya ile wewe uko nayo. C'est la façon de l'appeler dans ta vie. C'est la façon de lui dire, Seigneur Jésus, moi je me retire, toi entre dans ces problèmes. Est-ce qu'il y a quelqu'un ce soir qui veut que Jésus entre dans son problème? Tu es là? Pourquoi pas? Seigneur, prends mon problème. Sema Bwana chukua mambo yangu. Quel que soit le problème. Aizuru mambo yako. Si c'est la guérison. Kama ni uponaji. Si c'est l'argent. Kama ni pesa. Si c'est le mariage. Kama ni ndoa. Si c'est le travail. Kama ni kazi. Si c'est la nouvelle naissance. Kama ni kuzalika mara ya pili. Si c'est le Saint-Esprit. Kama ni Roho Mtakatifu. Jésus. Yesu. Tu es mon seul appui. Wenjo tegeme moja yangu. Tu dis amen à ça? Unasema amina kui. Amen. Amina. Là c'est bon. Bale iko sawa. Alors je vais lire une ou deux citations. Tasoma miandiko mbili wala moja, moja wala mbili. Nous allons prier. Alafu tutaomba. Puis nous allons partir. Kisha maombi tutaenda. Dibo Mangalade, je vais prendre seulement quelques lignes. Da katika Galadi tachukua tu mistari chache. Parce que la lecture est longue. Kwani usomi ni mrefu. Dibo Mangalade prêchait. Da katika Galadi ile alihubiri. En novembre 59. Mwezi wa 11 mwaka wa 59. Paragraphe 23. Kifungo yake ya 23 jusqu'à 24. Kwenda kufika 24. Il commence par l'exemple du grain de maïs. Anaza na mufano ya mbeko ya muindi. Nous prenons un grain de maïs. Nachukua mbeko ya muindi. Nous le plantons. Tunaipanda. Il peut être un beau grain de maïs tout raffiné de belle apparence. Inaweza kuya mbeko nzuri ya muindi yenye kwa na hali nzuri ya nje. Mais kwa lakini tant qu'il reste dans cet état. Wakati yote ile mbeko ile inabakia mwile ali, il restera comme ça. Mbeko ile tabakia vile vile tu. Pourtant un beau grain de maïs. Ile wakati iko mbeko mzuri ya muindi. Parfois quand nous partons à l'église, il y a beaucoup de belles choses et tout. Wakati ingine pale tunaenda kanisa kuko ma vitu mingi ya mizuri. Peut-être que nous cherchons à nous embellir à l'excès pour aller à l'église. Sa ingine tunatafuta kujipamba vizuri kabisa kwa ajili ya kwenda kanisa. Avoir quelque chose de nouveau à porter pour aller à l'église. Wana kitu moya mupya ya kuvala njo ya kwenda kanisa. Et c'est là tout ce que l'église représente pour vous. Eti njo yote ile kanisa inamaanisha wala inaonesha kwa ajili yako? Alors, basi, je suis persuadé que vous avez besoin d'une nouvelle naissance. Na hakikisha kwamba uko na lazima kabisa ya kuzalika mala ya pili. Très profond. Ya uketo kabisa. Si le grain de maïs ne meurt pas, il ne produira pas. Kama ile mbeko ya muindi haikufwe,
son apparence. Abraham prend les habits. Toi, tu viens à l'église pour montrer les nouveaux habits. Si tu n'en as pas, tu ne peux pas aller à l'église. C'est tout ce que l'église représente pour toi. L'extérieur seulement. Seulement le matériel. Donc tout ce temps pour toi l'église, c'est seulement les dehors. C'est seulement l'extérieur. C'est seulement le matériel. Vous avez besoin de la nouvelle naissance. Une personne à l'hôtel ne peut pas seulement se prosterner, s'agenouiller, puis se relever et dire j'ai la nouvelle naissance. Il vous faut rester là jusqu'à sec. Inatakiwa ubakie kumazabau paka na pale. Est-ce que tu peux répéter prière jusqu'à sec? Eti unaweza kurudiria kuomba paka na pale. Prier jusqu'à sec. Kuomba paka na pale. Ah, c'est bien dit. Oh, unaisema mzuri. Frère, prier jusqu'à sec. Kuomba paka na pale. Dis lui prier jusqu'à sec. Kuomba paka na pale. Hein? Jusqu'à sec. Ah, ces mots, c'est suffisant. Oh, imaneno inatosha, inaenea. Donc vous devez prier jusqu'à sec. Que les genoux fassent mal, tout ça. Priez jusqu'à sec. Toutes vos propres pensées. Toutes vos histoires du monde vous quittent. À force de pourrir. Que ça soit mort, pourri et détaché de vous. Alors la nouvelle naissance se produit. Et vous allez vous rappeler que depuis que nous avons commencé cet enseignement, Frère Branham nous montre que la nouvelle naissance est basée sur la parole. La parole que vous recevez, vous priez, ça fait la chose. Et un enfant de Dieu, devant la parole, il jette ses pensées. Amen. Amina. Amen. Amina. Frère Branham est le prophète de l'âge. Pour la parole, Neno, Dieu connaît Frère Branham. Mungu anajua ndugu Branham. Tu ne peux pas prendre ce que Mahomet a dit. Awezi kuchukua kile Mahomet alisema. Ni ce que Kimbangu a dit. Wala kile Kimbangu alisema. Dieu connaît Frère Branham. Mungu anamujua ni ndugu Branham. Est-ce que c'est clair? Iko wazi. Pourquoi je vous ai enseigné l'importance d'un prophète. Et dans l'assemblée, Dieu a un homme qui le place. Pour le moment, c'est pasteur Racheté qui est là pour vous. Tu dois l'écouter, tu dois l'obéir. Unapasha kumusikiliza mchungaji Racheté, unapasha kumtii. S'il y a un problème, prenez ce que lui te dit par rapport à la parole. Kama uko na mambo, beba kile mchungaji Rashid anakuelezea kulingana na neno. Quand tu vas prendre ce qu'un autre pasteur te dit. Kama tunaenda kuchukua kile mchungaji mwingine anakuelezea. Quand tu prends ce qu'un ami te dit. Wakati unachukua kile rafiki yake ya mchungaji Rashid anakuelezea. Ou ton ami à toi. Wala kile rafiki yako wewe anakuelezea. Quelqu'un d'autre.
autre te donne des conseils, tu t'accroches à mtu mwingine anakupatia mashauri, unakumbatia kule mashauri ya mtu mwingine. Alors que Dieu t'a donné quelqu'un, ile wakati Mungu alishakupatia mtu, tu seras responsable de ta perte. Utakuwa na daraka ya kupotea kwako. Je dis des choses très claires. Ni unasema vitu wazi wazi. Parce que tu ne peux pas être là, tu m'appelles ton pasteur. Hawezi uko hapa, huku naniita mchungaji wangu. Mais quand tu as des problèmes, ile wakati kuna mamambo, tu t'accroches sur tes pensées. Unaenda kukumbatia mawazo yako wewe mwenyewe. Tu t'accroches sur ce que les gens te disent. C'est-à-dire, tu ne me crois même pas. Parce que si tu me crois, tu me demanderas, pasteur, voici ma pensée. Qu'est-ce dit la parole? Et quand je vais te donner la parole, tu prendras ta pensée, tu vas jeter. Je suis clair, hein? Si tu m'écoutes, Dieu va t'aider. On ne s'entête pas devant la parole. Ça montre seulement que tes pensées sont encore là. Il faut mourir en toi. Il faut que tes pensées meurent. Dans cette citation, Frère Branham continue. Il dit, lorsque tes pensées vont mourir et que tu as les pensées de Christ, c'est en ce moment que tu attires la bénédiction de Dieu. Tu attires la puissance de Dieu. Il dit, quand tu restes longtemps à l'autel, jusqu'à ce que tu sois né de nouveau, ce changement subi là, ce n'est pas toi qui vas le dire, mais ta femme va voir. Tes enfants vont voir. Les gens vont voir. Il faut mourir pour renaître. Mourir à la cigarette. Mourir au whisky. Mourir à toutes sortes de boissons alcooliques enivrantes. Mourir aux femmes. Kufa kuanamke. Mourir aux hommes. Kufa kuanaume. Mourir à l'escroquerie. Kufa mubia kuibiana. Mourir aux mensonges. Kufa mubongo. Mourir aux critiques. Kufa mubia kushimangana. Mourir à toutes les choses vulgaires. Kufa mubitu biote bia ovio. Mourir de la pornographie. Kufa mumafilamu ya kusharati. Mourir de masturbation. Mourir à toutes ces vilaines choses. Il faut un brisement. Si même tu pries, ton corps n'arrive pas à être brisé, c'est parce qu'il y a plein de mauvaises choses. C'est pourquoi Branham nous a appelés à la réparation et à la restitution. Vous dites amen? Restez priés jusqu'à ce que vous mourrez de ces choses. Que Dieu te détache de ces choses. Et une nouvelle vie va commencer. Tout le monde va le constater. Est-ce que quelqu'un croit à cette citation? Dans la prédication, mon nouveau ministère. Paragraphe 96. Oh, dès mon retour de la Californie,
Le Seigneur voulant, c'est dont le Branham Tabernacle a besoin. On peut remplacer, non? Hein? C'est dont Fellowship Tabernacle a besoin. Il est Fellowship Maskani Ekonayo Lazima. C'est d'un réveil. Ni encore. Ils ont besoin d'un réveil. Ekonalazima ya amko. Et d'un remplissage du Saint-Esprit. Nakujaziwa na Rom Takatifu. La vérité. Ni ukweli. Dis à ton ami, nous avons besoin d'un réveil. Elezara fikia kwa sima tuko na lazima ya amko. Oui, nous avons besoin d'un réveil. Ndio tuna lazima ya amko. Et du remplissage. Na kujaziwa. Du Saint-Esprit. Ya Rom Takatifu. Le réveil. Amko. Je sais que vous êtes prédestiné à la vie. Najua kwamba mulishatayarishiwa kuuzima. Mais donnez-vous à Dieu. Kwa lakini mujitoleye kwa Mungu. L'homme qui a eu la vision de cette œuvre était un envoyé de Dieu. Mutu ule alipataka ono ya kazi yote kwa hapa. Ni Mungu ndiye alimtuma. Il n'a pas fait les choses selon lui. Na kufanyaka vitu kulingana na akili yake. Dieu l'a envoyé. Mungu ndio alimtumaka. Pasteur Richard était un vrai serviteur de Dieu. Mchungaji Richard alikuwa mtumishi wa pia kweli wa Mungu. Et dans ce travail qu'il a fait, il y a des âmes qui doivent être sauvées. Na mwika jiote ashafanya hapa. Kuko manafsi na basha kuokolewa. Il a accompli sa mission. Alitimiza kazi yake. Ce que Dieu lui a donné à faire, il a fait. Kazi ile Mungu alimpatiaka afanye, alifanya. Et Dieu l'a repris. Kisha Mungu anamchukua. Que son âme soit bénie. Nafsi yake ibarikiwe. Nous n'oublierons jamais la mémoire des héros. Atuta sabwaka kamwe ukumbusho ya washuja. Puis est venu pasteur Gédéon, que Kisha, son âme repose en paix. Mchungaji Gédéon akakuya, nafsi yake pumzike katika salama. Un homme de réveil. Mutu wa amko. Lui, sa partie, ce n'est pas la partie que Dieu avait donnée à pasteur Richard. Mais sehemu yake haiko sehemu ile Mungu alipatiaka mchungaji Richard. Pasteur Richard est venu avec la pluie de la parole. Mchungaji Richard yari kuyaka na ile mvula ya neno. Le pasteur Gédéon est venu avec la pluie de l'esprit. Mchungaji Gédéon anakuwa na mvula ya roho. Il a fait ce que Dieu voulait qu'il fasse. Alifanya kazi ile Mungu alipenda afanye. Et il a commencé à mener un réveil. Na akaanza kuleta amko. Et après son départ, l'église a tout perdu. Na kisha kwenda kwake kanisa kapoteza byote. Vous avez besoin d'un réveil. Muko na lazima ya amko. Je ne vous ai pas fait une demande d'emploi. Similombe, sikumilombe kazi. Mais Dieu a mis dans certains de vous que je sois là. Kwa lakini Mungu alitia ndani mwenu ile akili ya kusema mie nikuye hapa. Et ça y est l'approbation de vous tous. Na nini yote mulikubali vile. Ce n'était pas vous, c'était le Saint-Esprit. Aina mwenjo mulikubali. Ni Roho Mtakatifu ndani yenu ndio alikubali. Dieu vous envoie un homme qui a les deux. Mungu anemitumia mutu ule eko na biote biwiri. Un homme qui a pasteur Richard mutu et pasteur Gédéon. Ndani mwake eko na mchungaji Richard, ndani mwake eko na mchungaji Gédéon. Si tu es prudent, kama uko mwerevu, Dieu va te sceller. Mungu atakutia muri. Si tu te laisses distrait, kama unalengama. Je ne sais pas combien de temps Dieu veut que je sois là. Si Dieu Mungu anapenda nibaki hapa wakati ngapi. Si tu es distrait dans les
ukweli. Eti anora. Na utapata ile anko. Parce que la profondeur appelle la wani upana inaitaka upana yenzake. On donne de l'eau à celui qui a soif. Banapatiaka maji ya kunywa ule bona amu ya maji. Si toi-même tu n'éprouves pas les besoins du réveil, Dieu ne va pas te donner. Kama wewe mwenyewe ndani mwako haushikie amu ya amko, Mungu asitakupatia ile amko. Je commence à venir. Nanja kuja sasa. Il faut qu'il y ait cette profondeur en toi. Inatakiwa ndani mwako mkuwe ile upana. Je veux que nous soyons d'accord avec frère Branham. Na mimi napenda tukubaliane na ndugu Branham. Que en réalité, nakusema katika ukweli, fellowship a besoin d'un réveil. Fellowship iko na lazima ya amko. Et fellowship c'est l'individu. Na fellowship ni waye mtu binafsi. Moi j'ai besoin d'un réveil. Mimi niko na lazima ya amko. Est-ce que tu en as besoin? Et tu na wewe na lazima ya amko. Que tu peux lever ta main et dire Seigneur. Unaweza kunyoa mkono wako useme Bwana. Réveille-moi Seigneur. Unilamshe Bwana. Remplis-moi du Saint-Esprit. Unijaze na Roho Mtakatifu. Ah frère Branham. Ndugu Branham. Quelle humilité frère Branham. Ni unyenyekevu ya namna gani ndugu Branham. C'est dont les Branham tabernacle a grandement besoin. Ile maskani Branham iko nayo lazima kabisa. Certains des gens les plus braves du monde viennent ici. Batu bengine baodari kabisa ba mudunia banakuyaka hapa. Mais ce dont nous avons besoin, walakini ile tuko nayo lazima, c'est du baptême du Saint-Esprit. Ni ubatizo wa Roho Mtakatifu. Je le sens. Naisikia. Je peux le dire. Naweza kuisema. Et aussitôt revenu. Na mara moja kurudia. Le Seigneur voulant, Bwana kipenda, nous allons tenir un réveil dans ce but là même. Tutafanya amko mwile kifukuzio ile. Ainsi le ministère de ce tabernacle, hivi huduma ya hii maskani, et les autres na ya wengine qui cherchent le Saint-Esprit, wale wanatafuta Roho Mtakatifu, peuvent venir le recevoir. Banaweza kuya kumpokea Roho Mtakatifu. Les réunions de prière ici, mikutano ya maombi hapa, pour recevoir le Saint-Esprit, kwa ajili ya pokea Roho Mtakatifu. La volonté de Dieu, mapenzi ya Mungu, et continuer avec le programme de Dieu, na kuendelea na mapo za Mungu, tel qu'il évolue, paka vile kunaendelea. Que le Seigneur vous bénisse. Bwana amibariki. Je pense que tout le monde est prêt. Nafikiria kwamba kila mmoja yuko tayari sasa. Je vais même appeler une réunion. Taita hata mkutano moja de réveil. Ya taita hata mkutano ya amko. Comme Branham le dit là. Sasa hivi Branham anasema hapa. D'ici peu. Mu wakati tu chache hapa. On va prendre quelques ministres. Tutachukua watumishi chache huku na kule. Et nous aurons même 3 journées. Tutakuwa tena mashiku 3 hapa. De réunion de réveil. Ya mikutano ya amko. J'ai la faim. Niko na njaa. J'ai la soif. Niko na kio. De voir le réveil. Ya kuona amko. S'élever dans cette église. Isimame mwikanisa. Certains ont la parole. Bengine beko na neno. Il faut que ça soit vivifié. Inabidi baikapu baipatie uzima. Certains n'ont même rien. Bengine abana tana kintu. Il faut qu'ils reçoivent tous les deux. Inabidi bapoke yote mbili. Branham recommande les réunions de prière pour recevoir les saints. Ndugu Branham analombesha mikutano ya maombi kwa ajili ya kumpokea Roho Mtakatifu. Ce qui était ici le matin, bale balikuwa hapa tangia asubuhi, connaissent comment nous avons évolué. Banajua namna gani tulikuwa tukiendelea. Maintenant c'est le culte pour tout le monde. Sasa hapa ni mkutano ya watu wote, ibada ya watu wote. Voici comment nous procédons maintenant. Mwangalieni sasa vile tutafanya. En rapport avec cette recommandation de William Branham. Kulingana na hii amri ya ndugu Branham. Sachez que tant que ton cœur a des problèmes. Jua ya kusema wakati yote ile moyo yako chingariki na bima mambo mambo. Dieu ne va pas te visiter. Mungu ashitakuwa kukutembelea. C'est l'ennemi du réveil. Ni adui ya amko. Des problèmes. Il est ma mambo mambo. Le Saint-Esprit peut être en train de toucher les autres. Roho Mtakatifu atakuwa yuko na gusa bengine bengine. Mais toi tu as des problèmes. Lakini wewe una bima mambo mambo. Tu ne sentiras rien. Au tashiki.
tu vas dire à Jésus, Seigneur, je n'ai que toi. Mon seul appui. Pardonne-moi. Là où j'ai fauché, révèle-moi. Que je puisse arranger. Je puisse les réparer. Si c'est envers un frère, si c'est envers une soeur, peut-être mon langage, peut-être mon comportement, aide-moi. Je ne veux pas demeurer avec des problèmes. Pendant que tu seras en train de prier, que Dieu puisse t'aider à refaire ton parcours. Et en confessant, tu demandes pardon en confessant. Quand tu fais ton parcours, Dieu va te montrer que tu dois arranger avec tel. Tu dois arranger avec tel. Là, là même, Dieu va te révéler. Prends ton temps. Parle à Dieu. Il va le faire. Confesse tes péchés. Des choses que tu as fait contre Dieu. Parle-lui. Mais si tu as volé la dîme, restitue. Plus un cinquième. Parce que le pardon du vol de la dîme, ce n'est pas pardonnez-moi, j'ai volé, non. Voilà ce que j'avais volé. Tu ajoutes la pénalité. C'est ça la parole. Faites des réparations et des restitutions. Même si c'est un voisin païen, demande pardon. Parce que Branham dit, quand Dieu va te changer, même ton patron va remarquer. C'est une question de vie ou de mort. Le salut est une affaire personnelle. Dieu peut te donner la révélation, mais tu es un enfant. Avec beaucoup de respect, tu peux dire à ton papa, tu peux dire à ta maman, et ça, ce n'est pas la parole. Dans la famille, Dieu peut bénir quelqu'un. Peut-être que c'est un enfant. Mais Dieu lui donne la révélation. Il y a des foyers où la femme voit avant l'homme. Il faut écouter. Réparation. Kutengeneza. Restitution. Kurudisha. Réparation. Kutengeneza. Restitution. Kurudisha. Nous voulons la nouvelle naissance. Tunapenda kuzalika mara ya pili. Mais d'abord réparation. Lakini anzia hapo kutengeneza. Restitution. Anzia hapo kurudisha. Réparation. Tengeneza. Restitution. Kurudisha. C'est alors que la naissance va venir. Réparation. Tengeneza. Restitution. Rudisha. Ah, j'ai besoin de devenir un compositeur. Pour chanter réparation, restitution. Rudisha. Tengeneza. Si vous ne réparez pas, kama si vous ne restituez pas, ta famine depuis le matin, c'est en vain. Seigneur Dieu, Seigneur Jésus, vain. Réparation. Restitution. Rudisha. Restitution, c'est quoi? Kurudisha ni nini?
c'est le mal que tu avais parlé. Si tu as volé, tu remets. C'est fort, hein? Mais c'est ça le chemin tracé. Que Dieu t'aide. Mungu akusaidie. Que Dieu t'assiste. Mungu akuzulie. Parce que la nouvelle naissance, ce n'est pas un honneur. C'est un gâchis. Ce que vous faites là, c'est seulement la représentation de ce que les saints ont fait. Vous, vous avez un tabernacle propre. En carreau. On balaye, on nettoie. C'est très propre. Mais Branham parle des saints qui ont obtenu la nouvelle naissance. Branham dit, ils ont adoré dans des enclos de cochons. Ils n'ont pas eu honte de s'agenouiller dans la boue. Que Dieu t'aide. Mungu akusaidie. Que Dieu te fasse grâce. Mungu akupatie neema. Dire la vérité à ta femme. Wa umweleze bibi yako ukweli. Ma femme, voilà. Bibi yangu, angalia voilà. Mambo fulani. Angalia, voilà. Angalia, voilà. Angalia, voilà. Angalia. Mon mari, bwana yangu, voilà. Angalia, voilà. Angalia, voilà. Angalia, voilà. Angalia. Réparation. Utengeneza. Restitution. Kurudisha. Réparation. Utengeneza. Restitution. Kurudisha. Qui peut dire amen? Sema amina. Qui peut dire amen? Sema amina. Qui peut dire amen? Sema amina. Priez, dis à Dieu, Jésus révèle-moi. Omba, elezea Mungu, Yesu, unifunulie. Où est-ce que j'ai fauché? Ni fasi gani nili kosa. Prenez la position. Chukua ali ya maombi. J'étais errant plus loin de Dieu. Maintenant je reviens. Nilikuwa tanka tanka mbali kabisa na Mungu. Hapa sasa mimi narudia. Aussi avec
de larmes, Seigneur. Ce soir, je reviens, je reviens à la maison pour mes péchés. Oui, alléluia, pour ma charge, large tes bras d'amour, Seigneur. Je viens à...
vierge, t'es pas d'amour. Mon Seigneur, Seigneur, je reviens. Papa, je reviens. Je reviens. Je reviens. Seigneur, je reviens. Connais-tu cette cité, la cité céleste? Alléluia. Dans ses murs, tout est clarté. Fardeau, oui, à jamais.
me boulesse le tout épais oui des yeux de Dieu là si, si t'es chéri il y a c'est notre patrie. Au Salem, réponds-y-nous. Mon cœur te désire. Oui, d'après ça. Chef, son époux, l'église. Soupire être toujours être à toujours devant toi mon Seigneur mon divin roi. Alléluia pour tes chants et tes dits. Mon cœur déchiré, être toujours, être à toujours devant toi, oui devant toi, mon Seigneur, mon divin roi. Lorsque les sauveurs m'appellent et les rats, j'entendrai et je répondrai. Lorsque il appelle, je répondrai, je serai pour entendre mon nom. Oui, je serai quelque part. Au moins, je serai quelque part là. Vous entendrez mon nom. Oui, alléluia. Je serai quelque part. Je serai quelque part. Quelque part là. Pour entendre mon nom. Oui, si mon cœur est droit, quand il m'appelle, si mon cœur est droit, oui, j'entendrai. Si mon cœur est droit, quand il m'appelle, je serai quelque part pour entendre mon nom. Au moins, je serai quelque part. Quelque part là, pour entendre mon nom. Oui, alléluia. Je serai quelque part. Je serai quelque part. Quelque part là, pour entendre.
blanche. Quand il m'appelle, si ma robe est blanche, j'entends, oui j'entendrai, oui, si ma robe est blanche. Quand il m'appelle, je serai. Oh, moi, je serai, quelque part, je serai, quelque part, quelque part, là, pour entendre mon âme. Oui, alléluia, je serai, quelque part, quelque part. Rien sur terre n'est immuable espérant des choses éternelles. Tiens l'immuable ce soir, tiens, Église, tiens, l'immuable main de Dieu, tiens la main divine, tiens, l'immuable main de Dieu, alléluia. Éternelle, tiens, tiens l'immuable main de Dieu. Ce soir, crois en Dieu, crois en Dieu qui t'abandonne, t'abandonne, crois. Quoi qu'apportent les années, si tes amis, si tes amis t'abandonnent, t'abandonnent, attache-toi toujours à lui. Ce soir, tiens mon frère, tiens l'immuable main de Dieu, tiens la main divine, tiens l'immuable main de Dieu, alléluia. Éternelle, l'immuable main de Dieu, oui, ne convoite pas. Cherchez les trésors, trésors célestes, qui n'est pas si
soutiens mon frère. La main divine. Ici la sœur Ati Serge. Apa tunahitaji yada Ati Serge.
demande une prière pour la guérison de sa petite fille Ati Mukadi. Anaomba ombi kwa ajili ya uponyaji ya mkana yake Ati Mukadi. Qui souffre de l'épilepsie. Ula anateswa na kifuafua. Elle demande encore une prière pour son fils Prince Bukasa. Anaomba tena ombi mufaida mtoto yake Prince Bukasa. Qui souffre de la multiplication désordonnée des cellules de sang. Anateswa na magonjwa ya damu ikiongezeka katika kiovyo. Nous allons penser à la sœur Ati Serge pour Ati Mukadi épilepsie, Prince Bukasa, multiplication de cellules. Uitaji ya dada Ati Serge kwa ajili ya Ati Mukadi njua kifuafua na Prince Bukasa kwa ajili ya kuzidishika kwa damu mwili. Ça c'est la requête de la sœur Ati Serge. Hii ni itaji ya dada Ati Serge. Nous avons ici la requête. Hapa tunahitaji de notre frère Oti Lubamba Enoch. Ya nduku yetu Oti Lubamba Enoch. Qui demande une réussite à la première session. Ula naomba kufaulu wala kuweza kumashindano ya kwanja. Les enseignants ont décidé pour la deuxième session. Walimu wao walisema ataweza kumashindano za pili. Il croit au Dieu des impossibles. Ye anamini kwa Mungu wa mambo ya nguvu nguvu. Enfin, kumwisho, c'est la sœur Anto Bilolo. Dada Anto Bilolo. Qui demande pour son petit frère. Ula naomba mufaida ya mdogo yake. Qui a un cancer de prostate. Ule kona cancer ya prostate. Ces jours sont comptés. Masiku zake ni za kuhesabia. La médecine a ses limites. Kinganga kina mipaka zake. Mais notre espoir est sur le Dieu de William Branham. Walakini tumaini yetu iko pa huyu Mungu wa William Branham. L'unique qui peut guérir le cancer. Ule moja tu ula naweza kuponesha kansa. C'est pourquoi il demande les prières des saints. Ni kwa maana anaomba maombi ya watakatifu. Sœur Anto Bilolo pour son petit frère Dada, cancer de prostate. Anto Bilolo kwa ajili ya mdogo yake mwenye anateswa na kansa ya prostate. Le frère Oti Lubamba Enoch pour sa réussite en première session. Nduku Oti Lubamba Enoch kwa ajili ya kuweza musession ya kwanja. Sœur Ati Serge. Da Ati Serge. Pour Ati Mukadi épilepsie. Kwa ajili ya Ati Mukadi mwenye anateswa na épilepsie na kifuafua. Prince Bukasa, multiplication désordonnée des cellules. Bukasa kudizirisha kwa kiovyo kwa chembe chembe za damu. Je vais raconter votre foi concernant une histoire qui s'est passée avec Frère Branham. Tapandiza imani yenu kupitia historia moja ilipitikanaka na ndugu Branham. Il s'agit de la carte de prière numéro 3. Ni mambo liangalia kibali ya maombi namba yake ya 3. Cette personne était très malade. Ule mtu alikuwa mgonjwa kabisa. Elle a eu la chance de voir Frère Branham. Alipata bahati ya kuona ndugu Branham. Et Frère Branham lui a dit, na ndugu mama alimwelezea, je dirai à Billy Paul. Taelezea Billy Paul, il va te donner la carte de prière numéro 3. Atakupatia kibali ya maombi namba yake ya 3. Tu seras la troisième personne sur laquelle je vais prier. Oui, utakuwa mtu wa 3 ule mie taombea. Notre Dieu, il est terrible. Mungu wetu eko hatari kabisa. Notre Dieu n'a pas de limites. Mungu wetu ana na mipaka. Billy Paul, na Billy Paul, la façon dont il était conduit ce soir-là, namna ile aliongozewa ka jioni ile, il a distribué les cartes en pêle-mêle. Aligawanya vibali ovyo ovyo. Il n'a pas tenu compte des numéros. Akuangalie mambo ya manamba.
cette personne na ule mtu au lieu qu'il ait la carte numéro 3 bali apate kibali namba yake ya 3 il a eu la carte numéro 98 alipata kibali namba yake 98 il s'est lamenté beaucoup akaanza kurungunika. Mais le prophète de Dieu, sasa, nabii wa Mungu, je l'ai vu moi-même. Mi mwenye nilimuona. Il m'a dit que j'aurai la carte numéro 3. Tapata kibali namba yake ya 3. Pour que je sois la troisième personne nipate kuwa mtu wa 3. Sur lequel il va prier. Ule ataombea. Maintenant je suis au numéro 98. Sasa, niko na namba 98. Mes amis, barafiki yangu. Quand un homme est roi, il est roi. Ses paroles sont rois. Sa main est roi. Ses habits sont rois. Ce soir-là, Frère Branham dit, nous avons une ligne de prière spéciale. Gloire à Jésus. Je veux que ce soir, ça soit une ligne de prière spéciale. Frère Branham commence. Il dit ce soir, je commencerai au numéro 100. Je commencerai au numéro 100 et je vais commencer à reculer. Il a fait l'ordre de grandeur décroissant. Il a pris numéro 100. Il a prié. Il a appelé numéro 99. Il a prié. Il appelle 99. Alléluia. Alléluia. Il était surpris. Oh! Frère Branham m'avait dit, je serai la troisième personne. Je suis la troisième personne. Dieu est Dieu. Mungu eko Mungu. Ceci iyi s'appuie awa wana tegamia sur leur char. Bagari zao za vita. Cela wale s'appuie wana tegemea sur leur chevaux. Bafrasi zao za vita. Mais nous walakini shaya. Alléluia. Alléluia. Mais nous walakini shaya. Nous invoquons tunaalika le nom de l'Éternel jina ya wa milele notre Dieu Mungu wetu. Acclamez le roi de roi. Croix seulement.
Seigneur, je crois. Seigneur, je crois. Jésus est là. Jésus est là. Oh, Jésus est là. Alléluia. Oh, est possible. Jésus est là. Jésus est là. Jésus est là. Tout est possible. Jésus est Jésus est là. Jésus est là. Tout est possible. Jésus est là. Le grand médecin est ici maintenant. Les compatis songés et
chanteur, les cœurs brisés. Écoute la voix des Jésus, le plus doux. Et c'est Raphaël, le plus doux nom pour un mortel, le plus doux cœur jamais chanté. Jésus, tes nombreux péchés pardonnés. Là, écoute la voix de Jésus. En route pour le ciel, va en paix partir, couronne avec lui le plus doux son de ses. Jésus, toute gloire à l'agneau immolé. Je crois maintenant en Jésus. J'aime les noms bénis du Sauveur. Oh, j'aime les noms de Jésus. Oui, le plus doux, le plus doux son de Séraphin. Le Jésus, Jésus, son nom d'ici permet faute et peur, pas autre nom que j'ai. Jésus, mon âme serrée, joie d'entendre ce précieux nom. Jésus, oui, le plus doux. Séraphin, les plus doux
de cœur. Jamais chanter Jésus. Jésus. Le Seigneur mes bonheurs si près, mais le Seigneur il est à le Seigneur, le sans espérance dans la souffrance, dans la souffrance sans espérance dans la souffrance. Alléluia, je toujours. Il m'aime, le Seigneur, mais il est portant ma peine. Alléluia, je le dirai toujours. Il m'aime, le Seigneur. M'aime, il est là. Dieu dans sa grâce. Dieu dans sa grâce. Grâce grâce présente. Alléluia. Je mon Seigneur m'aime. Mon Jésus m'aime. Il est en sacrifice. En sacrifice. À la justice, à sacrifice, fils, il vint. Alléluia.
cet homme passé. Alléluia. Seigneur,
pouvons nous adresser à toi pour t'exprimer notre gratitude. Sincèrement, nous te disons merci, Seigneur Jésus. Quel privilège, quelle grâce d'avoir un Dieu comme toi. Père, être dans ta présence depuis le matin, avec ceux-là qui sont venus à midi, et ceux-là qui sont venus les après-midi, et même ceux-là qui nous ont rejoints le soir. Ça a été dans nos cœurs un empressement. Ça a été dans nos cœurs l'appel à la profondeur. Quelque chose parlait au-dedans de nous de ne pas manquer cette réunion de prière. Et nous avons vu ta main au-dessus de nous. Nous avons senti ta présence dans la réunion. Combien nous t'élevons, nous t'acclamons, nous t'adorons. Savoir que même si c'était à refaire, toi Jésus-Christ, tu serais notre Dieu. Nous t'apprécions beaucoup, notre Père. Quelle profondeur, quelle parole et mots inspirés tout au long de cette journée. Tu nous as donné quelque chose de grand. Savoir que ceci s'appuie à leur char. Cela s'appuie à leurs chevaux. Mais nous, nous n'avons que toi. Père, ce n'est pas seulement la bouche qui le dit, mais c'est l'expression sincère. Sincère, sincère de notre adoration. Sincèrement, nous te disons merci. Sincèrement, nous t'élevons. Sincèrement, nous t'invoquons. Oh Jésus, sois loué, sois acclamé. Sois adoré, sois élevé au siècle des siècles, sois magnifié, sois exalté. Dieu Tout-Puissant, laisse-moi te dire, en représentant les paroles de tous ces hommes et ces femmes, laisse-moi te dire, cher Jésus, nous n'avons que toi. Tu es notre
notre seul appui, le seul espoir, la seule vie que nous cherchons. Cette nouvelle naissance, ce Saint-Esprit que nous cherchons, c'est toi, Jésus-Christ. Oh Dieu, la profondeur qui découle de chaque cœur, c'est le besoin de ce réveil. Le réveil du remplissage du Saint-Esprit. Le réveil de la nouvelle naissance. C'est la prière de chaque femme. C'est la prière de chaque homme. C'est la prière de chaque fille et de chaque garçon. C'est la prière de chaque famille. C'est la prière de chaque foyer. C'est la prière de chaque couple. C'est la prière de chaque célibataire. C'est la prière de fellowship. Dieu Tout-Puissant, nous sommes là sur l'autel. Même si nous pouvons partir à la maison un moment, mais nous n'avons pas quitté l'autel. Que cette force nous suive dans nos maisons. Et que là, à la maison, l'autel soit représenté. Que nous restons à genoux. Nous puissions faire la prière de jusqu'à sec. Comme ton prophète nous a recommandé, que nous prions jusqu'à sec, les changements s'opèrent. Brise la mondanité, Seigneur. Brise les pensées charnelles. Brise l'égoïsme. Brise la vie de souillure. Brise chaque mondanité. Dans le nom de Jésus-Christ. Dans le nom de Jésus-Christ. Dans le nom de Jésus-Christ. Je réclame pour chaque garçon. Je réclame pour chaque fille. Je réclame pour chaque homme et chaque femme. Au nom de Jésus-Christ. Que la nouvelle naissance puisse s'opérer. Oh Dieu Tout-Puissant, fais quelque chose, quelque chose, quelque chose. Seigneur Jésus, nous venons t'adorer. Nous venons te prier parce que nous savons en qui nous avons cru. Nous sommes persuadés que toi tu es plus que capable. Tu es l'invincible dans tous les âges. Personne ne t'a vaincu. Chaque bataille, tu as remporté la victoire. Tu es le plus beau d'entre 10 000. Tu es le meilleur en tous. Tu es l'époux de nos âmes. Tu es notre vie éternelle. Tu es le salut de nos âmes. Tu es notre forteresse. Tu es notre courage. Tu es notre foi. Père céleste, touche tes enfants. Ma grande prière, cet ange de l'Éternel qui est dans ce message, cet ange de l'Éternel qui est en train de circuler la salle maintenant, puisse prendre du ciel
le vrai Saint-Esprit et le placer dans chaque cœur. Touche, purifie, pardonne, élève, restaure, restitue, établis, rétablis, crée, donne, bénis, visite, délivre, au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ, je prie pour la délivrance totale. De ta résurrection. Toi qui ne déçois pas tes serviteurs, je viens m'associer à la prière de tes enfants pour ces requêtes qui sont devant. Notre sœur Ati Serge, pour sa fille Atimukadi qui souffre de l'épilepsie et son fils Prince Mukasa qui a une multiplication désordonnée de cellules de sang. Elle t'a écrit cette lettre. Elle croit à la prière des saints. Dieu, m'accrochant à la commission de l'ange, je lève ma main droite. Cette main, quand je la lève, c'est toi qui la lèves. Au nom suffisant de Jésus-Christ, je condamne cette épilepsie. Je réclame la guérison. Que cette fille soit complètement guérie. Et que Seigneur, tu puisses lui donner la bonne santé. Qu'elle se marie même. Tu es capable de le faire. Je me tourne vers cette multiplication désordonnée de cellules de sang. Je condamne cela. Au nom de Jésus-Christ, le Fils de Dieu vivant, au nom de Jésus de Nazareth, au nom de Jésus de Nazareth, la parole fait péchée. Je t'appelle sur la scène, docteur Jésus, spécialiste des cas impossibles. Donne la joie à ta fille, à ti Serge. Merci Seigneur. À toi l'honneur, à toi la gloire, à toi la victoire, au siècle de siècles. Jésus est ton nom. Oh Dieu tout-puissant. Anto Bilolo
son petit frère qui souffre du cancer des prostates. C'est un démon. Un démon, rien du tout, rien de plus. Ta fille croit que le Dieu de William Branham guérit le cancer. Sur base de la commission de l'ange qui a dit, si tu amènes les gens à te croire, rien ne va résister à ta prière, même pas le cancer. Seigneur Jésus, nous t'appelons dans la vie de cet homme qui souffre du cancer. Fais quelque chose. Je condamne ce démon de prostate. Je t'appelle de le guérir, Seigneur Jésus. Fais quelque chose à cause de la prière du juste qui a dit qu'il croit pour nous. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus de Nazareth. Au nom de Jésus de Nazareth. Nous chassons la maladie et nous appelons la vie. Seigneur Jésus, le frère Enoch, la façon dont il a écrit sa lettre prouve qu'il a bien travaillé aux examens. Il est sûr de ce qu'il a fait. Mais la méchanceté des enseignants veut tout simplement l'amener à la deuxième session. Il dit qu'il croit aux choses impossibles. Je me rappelle quand William Branham avait besoin de l'écureuil. C'est le bois de sycomore qui était là. Et sur ce bois, l'écureuil ne peut jamais monter. Mais tu es le Dieu qui relève les défis. Branham a demandé l'écureuil sur le sycomore. Il est apparu. Ce qui montre qu'aujourd'hui, avec le troisième poule, l'impossible est devenu possible. Ange de l'Éternel, puisse-tu aller maintenant dans la correction, dans la délibération. Toi qui brise même des cœurs comme celui de Pharaon pour laisser le peuple partir, que ton enfant soit libéré à la première session comme il a demandé. Toi, le Saint-Esprit va changer les choses. L'honneur va te revenir parce que nous sommes ton peuple et nous le réclamons dans le nom de Jésus-Christ. Seigneur, à part la demande du Saint-Esprit, à part la demande de la nouvelle naissance, tous ces gens ici, chacun a des requêtes. Quand nous venons dans une réunion comme celle-ci, nous ne pouvons pas repartir comme nous sommes venus. Parce que ici, le Saint-Esprit tombe à flot. Les bénédictions se déversent à flot. Tu connais chaque problème. Tu connais chaque difficulté. Tu connais chaque requête.
Maintenant, comme leur frère, je suis là comme intercesseur. Je me tiens là comme médiateur. Je me tiens là comme un frère rédempteur. Je réclame la solution à tous les problèmes au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Seigneur, je déclare la délivrance. Je déclare la bénédiction. Je déclare les ouvertures. Je déclare les engagements. Je déclare les succès. Je déclare la réussite. Je déclare la victoire. Je déclare les succès. À toi l'honneur, à toi la gloire, au siècle de siècles. Nous te disons merci Seigneur. Nous t'acclamons, nous te levons, nous t'adorons, nous te magnifions, nous te bénissons. Papa Jésus, laisse-moi te dire, c'était merveilleux de rester dans ta présence. La fatigue est partie. La famine même est partie. C'était tellement glorieux de continuer à te parler, à t'écouter nous parler. C'était tellement bénissant de rester ici. Tu as été merveilleux pour nous. Ta présence est indispensable dans nos vies. Ta présence est indispensable dans nos familles. Ta présence est indispensable dans ce que nous faisons. Laisse-moi seulement te dire merci, Jésus. Laisse-moi seulement élever ton nom. Laisse-moi seulement t'adorer. Laisse-moi seulement te magnifier. Laisse-moi seulement te dire merci. Merci Seigneur. Encore une fois, merci Jésus. Maintenant Seigneur, nous allons quitter cet endroit. Gardez-nous dans cette atmosphère. Protège-nous dans le chemin. Éloigne les accidents. Éloigne le mal sous toutes ses formes. Amène tes enfants à la douceur. Que cette fontaine dans nos cœurs continue à jaillir. Afin que même dans nos maisons, quelque part au milieu de la nuit, nous puissions nous élever, nous mettre à genoux et te parler. Que nos maisons deviennent des maisons de prière. Que nos maisons deviennent les sanctuaires de Dieu. Que nous puissions garder nos genoux à l'autel jusqu'à sec. Encore une fois, nous te disons merci, Papa. Protège ton peuple. Si tu vas nous donner encore le dimanche, nous viendrons à cet endroit, dans le sanctuaire de la prière, pour écouter ta parole. Bénis notre église. Bénis-moi, Seigneur. J'ai besoin beaucoup plus de toi. Dans ce travail difficile, je ne peux rien de moi-même. Je ne regarde qu'à toi.
Ceux-ci ont des chars, ceux-là ont des chevaux, mais moi je n'ai que toi. Je n'ai que toi, cher Seigneur, et ma foi regarde à toi. Donne-moi la force, la bonne santé pour te servir. Que je sois toujours fort pour toi et pour ton peuple. Bénis nos honorables diacres et administrateurs. Bénis leurs femmes, leurs épouses et leurs enfants. Ce sont des humains. Ils peuvent avoir des faiblesses. Mais bénis leurs sacrifices. Bénis leur amour pour toi, Seigneur. Bénis nos veuves dans cette église. Maman Bernadette et les enfants. Maman Lucie et les enfants. Nous voulons que toi, le Dieu qui était avec leur mari, avec leur papa, tu continues à les soutenir, surtout à les garder dans la parole. Que les diables ne les éloignent pas de toi. Oh Dieu, tu connais le destin de cette église. Nous ne sommes les humains, nous sommes limités. Mais c'est toi qui as le lendemain. C'est toi qui tiens le futur entre tes mains. Nous prions que tu ramènes les rétrogrades à la maison. Nous prions que tu puisses fortifier les faibles. Nous prions que tu puisses encourager ceux-là qui sont fatigués. Toi, tu es le Dieu de la victoire. Tu es le Dieu de la force. Tu es le Dieu de la restauration. Viens, cher Seigneur. Travaille, Père. Oh, notre Dieu. Nous avons peut-être le désir de rester ici toute la nuit et parler. Mais nous sommes limités aussi avec la loi du pays. Aide-nous. Soutiens-nous. Ne laisse personne sortir ici comme il était venu. Augmente la force. Ajoute la foi. Dans le nom de Jésus-Christ. Nous te disons merci pour toutes choses. Ainsi, bénis notre retour, bénis les offrandes et les dîmes de ton peuple, tout pour ta gloire, dans le nom le tout suffisant, le nom infaillible dans tous les âges, le nom qui n'a pas d'échec, le nom qui est notre appui, le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Que Dieu vous bénisse. Acclamez le roi des rois. Nous sommes à la fin pour cette journée. Que Dieu bénisse ton sacrifice. Comme ils n'ont pas pu passer les paniers, je crois que ça va être comme la fois dernière. N'est-ce pas les diacres? On va mettre les paniers à la porte ou bien ça va passer? C'est déjà? À la porte. Donc les paniers sont à la porte, vous déposez votre offrande. Je voudrais rappeler que mes jours de réception sont les mardis et les samedis. Le mardi, c'est à partir de 8h. Je prends une petite pause à midi, je commence à 14h. S'il n'y a pas les gens beaucoup, je peux arrêter à 17h.
18h. Mais s'il y a les gens, on peut aller même jusqu'à 18h. Et si tu es en train de venir du travail, tu peux me faire signe que le pasteur, je viens te rencontrer. Parce que quand je vois déjà qu'il n'y a plus les gens, je quitte pour partir. Et le samedi, je viens seulement à 14h. De 14h jusqu'à 17h ou 18h. Que le Seigneur bénisse ton âme. Allez partager cette expérience avec quelqu'un. Ne sois pas égoïste. Nous nous retrouvons ici dimanche par la grâce de Dieu. Que Dieu vous bénisse. Je vous aime. Shalom. Salama.